We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur Bayrou. Et oui, Bayrou a été mis en désordre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour lui dans les semaines, dans les mois à venir. Tout simplement, on va voir s'il y a une condamnation ou pas. C'est ça qu'on va regarder. Surtout, est-ce que Bayrou va être condamné? Voilà. Donc, on sait qu'il a été mis en examen. Donc, on va regarder ensemble s'il va y avoir une condamnation pour notre ami Bayrou du Bodem. Mon Dieu, c'est pour les hommes politiques, mon Dieu, c'est affolant. Et dire que nous, on nous demande un casier judiciaire pour faire n'importe quel boulot de sécurité, surtout d'administration, etc. Et eux, par contre, c'est les rois de l'escapade, c'est quand même affolant. Bon, bref. Donc, on va regarder ensemble. Malheureusement, est-ce que Bayrou va être, va avoir des soucis, est-ce qu'il va avoir, oui ou non, une condamnation? Allez, on commente, on partage, un petit tilleul, et puis on commence, on commence maintenant. Alors, on va regarder, je vais prendre ces cartes là, tiens, pourquoi pas, allez, hop. Alors, est-ce que Bayrou... Alors, vous savez qu'il a été mis en examen, donc je ne vais pas faire un tirage si Bayrou est mis en examen, puis c'est dit. On va tout de suite, ça va être très rapide, ça va être une vidéo assez courte, hein, de toute façon, parce que je trouve que ça n'a vraiment pas l'intérêt de s'inquiéter, de poser de questions par rapport à ce genre de personnage. Donc, on va quand même faire, mais bon, voilà. Alors, est-ce que Bayrou, va-t-il y avoir une condamnation pour Bayrou dans les semaines, mois ou années à venir? Ça dépend quand ça va avoir lieu, cette procédure. Va-t-il y avoir une condamnation judiciaire pour François Bayrou? François Bayrou. Alors, on a la carte du renard qui ressort. Je ferai un tuto sur ce jeu, hein, très prochainement. Et on a la carte du livre... fermé, donc du code fermé. Donc la carte du renard, ça représente quoi? Ça représente dans ce jeu la notion un petit peu, alors certes de travail, d'accord, de travail éternellement, mais de travail détourné, volé, rusé. Et justement, on parle de quoi? On parle d'emploi fictif. Donc pour moi, Bayrou est dans le panier à crabe, d'accord? Il est quand même inclus dedans. Il n'est pas mis en examen pour rien, je vous le dis, puisque la preuve, on a la carte du renard sur le sort, qui est la carte du travail, certes, mais le travail de manière un petit peu rusée, un petit peu volée, un petit peu détournée. Voilà, donc on a un petit peu ça. On a également la carte donc, du livre fermé. Donc ça veut dire que il y a des choses qu'on va encore découvrir, qu'on n'a pas découvert, qu'on va encore découvrir dans cette affaire. D'accord? Tout n'a pas encore été révélé. D'autres choses vont être révélées par rapport à notre ami Bayrou, puisque je parle de Bayrou, hein, naturellement. Donc d'autres choses vont être encore révélées et qui ne sont pas encore ouvertes. D'accord? Donc on va voir si ça va s'ouvrir ou pas lors de la procédure, lors de la juridiction. Donc Bayrou, va-t-il y avoir une condamnation pour Bayrou? La carte, on voit donc des pigeons, le pigeonnier, etc., des pigeons. Donc ça montre qu'il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'entretiens, beaucoup peut-être encore d'autres gardes à vue, certainement. En tout cas, il va être encore interrogé, d'accord, par d'autres personnes. Et c'est la notion également de discussion par rapport au tribunal. Je vais vous les mettre comme ça. Ce sont de très très belles cartes, hein, voyez. On a la carte de la montagne, la carte 21. La montagne, ça montre qu'il y a un mur, qu'il y a des difficultés, que Bayrou va être confronté face à un mur et qu'il aura du mal, on va dire, à s'échapper quelque part. Il y a vraiment une notion de difficulté qui ressort par rapport à cette notion de montagne, par rapport à Bayrou. La carte du 23, on voit les petits rats qui sont là, c'est la carte du vol. D'accord, c'est comme quoi, c'est la carte où on vole, où on met vraiment, on grignote, hein, voyez, c'est comme si là, on se cache pour voler des choses, pour prendre des choses, pour ne pas être très très honnête, voilà, on essaye de se profiler. Donc on voit qu'il y a un peu cette notion un petit peu négative qui ressort sur Bayrou. La carte du 15, donc l'ours qui représente la notion de personnalité importante et puissante. Et la carte du serpent, donc on voit qu'il va être également poucavé, si je peux dire. D'accord, il va y avoir des poucaves, il va être un petit peu trahi, si vous voulez. Peut-être des gens de son parti, ou d'autres gens, qui vont dévoiler certaines affaires. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de poucaverie, c'est-à-dire de dénonciation ou autre. Et la maison là qui représente les administrations et la justice, d'accord. Donc pour moi, il y a une notion d'argent qui ressort. Donc pour moi, il va être condamné en tout cas. Oui, il y a de l'argent. En tout cas, il y a de l'argent qui ressort par rapport à cette condamnation. Alors, est-ce qu'il va faire de la prison? Je ne pense pas. Je ne vois pas une notion de prison
ferme en tout cas, mais une notion en tout cas de grosse amende, oui, parce que la carte des poissons, c'est de l'argent, mais de l'argent à haute dose, d'accord. Et vu que c'est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir, et la carte également judiciaire qui est là. Donc oui, non, pour moi, il va être isolé quand même un petit peu de la scène politique, donc on va le voir beaucoup moins, déjà, premièrement, il va se replier un petit peu, et en effet, il y aura quand même une très grosse condamnation, et il peut y avoir des problèmes par rapport à son parti, qui peuvent en effet... son parti va prendre quand même une grosse claque, hein, je vous le dis, hein, d'accord. Voilà. Donc déjà, perte financière pour lui, ça c'est sûr, avec condamnation financière, retrait un petit peu de Bayrou, donc de la scène politique et des médias, etc. Enfin, des médias, de la scène politique en tout cas, donc retrait un petit peu. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même, qui risque même de partir un petit peu, de s'éloigner vraiment de tout ça, avec évidemment un problème au niveau de son parti, qui pour moi, son parti va être quand même assez mal. Honnêtement, c'est un parti qui pour moi est quasiment mort également, hein, d'accord. Donc voilà, mais voilà. Donc condamnation de prison, moi ça ne me ressort pas spécialement, je vous dis non. Par contre, une belle amende, une belle condamnation financière, et peut-être même, justement, comme il y a un rotule, il y a peut-être justement une incapacité pour lui de pouvoir justement, on va dire, faire quelque chose dans la politique, ou se remettre dans la politique, ou en tout cas, il y a un repli, en tout cas, de son parti à ce niveau-là. Et je vais quand même, on va quand même voir ça aussi avec Laura de Véline. Va-t-il y avoir une condamnation, donc là on va faire une carte, hein. Y a-t-il une condamnation de Bayrou suite donc à sa mise en examen par rapport aux emplois fictifs du modem Bayrou. Et encore la notion d'argent, vous voyez, tout ressort, la notion d'abondance, la notion d'activité. Il est pas seul, hein, bonhomme, hein. Car vous voyez, les emplois fictifs, des couples, des amis, etc., l'association, le partenariat, il est pas seul, hein, d'accord. L'abus de confiance qui ressort, et oui, il y a bien l'abus de confiance, hein, de toute façon, qui ressort. Donc c'est peut-être une procédure qui va mettre du temps, qui va mettre c'est sûr qu'il va être un petit peu long, parce qu'il a quand même des appuis et il va quand même aider, mais il y a quand même un changement radical qui s'annonce pour lui, d'accord. Et pour moi, il y a une maladie, donc oui, quelque part, en effet, il y a peut-être une condamnation, mais comme je vous dis, c'est pas une condamnation pour moi de prison, mais plus une condamnation qui sera liée à un exil, quelque part, de son parti politique et de lui-même, et aussi une condamnation pour moi pécuniaire. Donc une condamnation également à rembourser, enfin un fond d'argent qui ressort par rapport à sa condamnation. Mais je ne vois pas spécialement une notion de prison, voilà, sur lui. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur François Bayrou. Je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.